Yo yo yo, c'est Black Samouraï pour All France. Évidemment. Black Samouraï dans les oreilles, dose de whisky dans le gobelet. Black Samouraï dans les oreilles, dose de whisky dans le gobelet. Black Samouraï, c'est deux frères d'origine afro-vietnamienne. Ça fait 2 ans qu'on existe. On est de Bordeaux, on fait du son. À la base des bases, c'était un délire. On faisait des freestyles entre nous comme ça, avec des potes et tout. Et après, on s'est dit, putain, mais ça sonne super bien. Du coup, on s'est dit, on va faire ça un peu plus pro. On a demandé à Audrey, notre manager, de nous cadrer un petit peu. Petit à petit, on a créé le groupe, le nom, le délire et tout. Qu'est-ce que ça apporte à votre musique, le fait d'être frère? Les liens, en fait, ils sont beaucoup plus puissants. Lui, il est un peu plus réservé, tu vois. Moi, je vais être un peu plus excité, extraverti. Ça fait une balance. Sur certains sons, moi, je vais venir exciter, machin. Et en voyant la façon dont il pose un peu plus polonain, ben, ça va m'influencer. Et sens inverse, ça marche aussi. On peut retrouver cette complémentarité, mais il faut venir nous voir. Encore amateur, tu nous parles de drogue, t'en es que le rabatteur. Reste à ta place, tu nous gâches la vie. Motherfucker, miskin, confond pas Homer et Dacia Duster. Comment on écrit? Ben on écrit chacun de notre côté. C'est souvent quand on écoute une instru, on commence à yaourt. Et ensuite, on construit une petite esquisse comme ça. Et après, on se réunit. On passe 4 heures dessus. Et quand on est en séance studio, on essaie de peaufiner le texte. Juste en écoutant une instru, on va se comprendre. On va dire celle-là, elle est bonne, celle-là, elle est pas bonne. Direct, en fait, ça va être direct. Lui, il écoutait beaucoup de Pharrell Williams. C'était à l'époque de Nerd. Et après, quand il s'est lancé solo, encore plus, quoi. C'était une dinguerie. Après, moi, j'écoutais beaucoup de rock, de hard rock, metal. Ceux qui connaissent Deftones, Slipknot, Muse, etc. Et du coup, ça, c'est vrai que ça influence aussi la façon dont on a abordé l'EP, avec des moments de légèreté à la Pharrell aussi, et des moments, tu sais, dans les bridges et tout, des moments plus chantés en mode rock, avec de la distorsion. Nos ont influencé en tout cas l'EP qu'on a sorti là, et à mon avis, le prochain. On va écouter, pour ceux qui connaissent l'EP, des sons comme Super Saiyan. Mago est une même sans gommage, des bolides, y'a pas de rodage. Super Saiyan, hey. Super Saiyan. Django, gobelet, où là ça va être en mode turn up. Ça va être une partie aussi un peu plus sombre, un peu plus mélancolique, un peu plus triste. Où là, on se livre un peu plus, voilà. C'est un peu plus sérieux, profond. Et là, on retranscrit un peu notre tristesse. Ma plume a lâché, je n'ai plus d'inspi. Oublie aussi l'âge qu'un ski. Je traîne le soir bourré dans les rues de ma ville. Oublie, je tease pour retrouver la. Du coup, nous on a sorti une petite série de freestyle. Dans les derniers freestyle, tu vas entendre des sonorités asiates. Ils parlent de mes gars, de mes bails, de mes failles, de la taille, de ma lame. Et sans balles et sans jailles, sur mon track et la prouve. Par exemple, ces sonorités asiates, l'inspi nous est venue de notre mère par exemple, qui, dans la voiture, quand on était plus jeune, machin, souvent écoutait... Tu te rappelles le son, là? Voilà, un classique pour nous, tu vois. Le fait qu'on ait été élevé dans la culture asiatique, avec notre grand-mère. Si tu vois notre grand-mère, tu te diras, c'est pas leur grand-mère. C'est pas possible, tu vois. Parle viet, parle pas un mot de français. Et ça, genre, elle écoute de la musique asiate, et forcément... la musique qu'elle écoute, ça nous influence. Les tueries, on crée des mélodies de ta. On est sur la même planète, on n'a pas la même vision. Black Samouraï dans tes oreilles jusqu'à la moitié. On a grandi en Corse. On arrive à Bordeaux quand on avait 20 ans. Au début, c'était un petit poids parce qu'on était très... On faisait confiance à personne, en fait. On travaillait que ensemble tous les deux. Après, ça, c'est notre côté corse aussi. Le côté enfermé sur une île avec des chèvres. Mais l'idée, plus tard, c'est d'essayer de se développer un peu plus et de viser la région parisienne. Tu vois, on a déjà des idées, des maquettes, des trucs un peu écrits à moitié, machin. Respirer, notre amour est sincère. Qu'est-ce qu'on attend pour se lancer? L'idée, c'est de travailler sur le prochain projet avec des beatmakers. Merci à All France, merci à toi le stagiaire. Bon, on se retrouve sur scène du coup. Black Samouraï, évidemment. Banks. On a mis la zone sous contrôle, mon frère. On n'est pas nous inviter. Ouais, Sony, je suis la dernière fois jouer au du championnat. Si t'es pas quand t'as te fait une cantona. Le contact est dans ce tango. Accélération, t'es plein en tempo. Je suis motivé. Je voulais blague, je veux des diamants sur mes anneaux. Je veux le gamos. Je veux le granit, je veux le vivant, je veux l'or, marche sur mon poignet. Le mouvement est le même, gros, mini rock. Est-ce que tu connais la Corée un minimum?
juste un mini-rom. J'ai pas de sentiment, j'suis comme un mini-drone. J'suis pas social. C'est le trou du canon, soporifique, l'ambition du camère. Facultatif, la pute dans mon salon. Vitre de sème en fonction du salé. Que des minots pensant me mettre à terre impossible comme de l'eau dans la bouche de Renault. Prends de vision, on n'oublie pas ta tête à semer la tempête et récolte gros lot. Django, 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 Django.